Très bien. Alors, bonjour, bonjour Nathalie Balassé. Bonjour Pierre, bonjour monsieur, docteur Alors, Labesca, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu votre livre, qui est d'ailleurs une réédition du premier livre que vous aviez auto-édité, et qui, on va le montrer à tous les spectateurs, s'appelle Le jour où j'ai décidé de guérir. Alors, c'est un témoignage intéressant parce que vous n'étiez pas du tout dans les professions de santé, vous étiez, je crois, dans la finance, enfin dans les Oui. métiers plutôt matérialistes en quelque sorte. Et puis, vous avez déclenché une maladie inflammatoire articulaire qu'on appelle une spondylarthrite ankylosante. Alors, c'est une maladie auto-immune un petit peu compliquée, c'est-à-dire que le corps fabrique des anticorps contre lui-même et il y a des douleurs articulaires qui deviennent très vite très importantes, notamment au niveau du dos, mais au niveau des articulations aussi du bassin, qui font que vous en étiez presque au stade, malgré tous les traitements médicaux classiques que vous aviez eus, et vous aviez même eu des traitements immunologiques, je crois, d'après votre livre, hein, les anti-TNF, alpha et autres. Vous avez donc été à un stade où, et ça a été, je crois, le point déclenchant, vous étiez presque à vous acheter un fauteuil roulant parce que vous étiez limité au point de vue de vos déplacements. C'est ça, exactement. J'ai même eu l'ordonnance pour le fauteuil roulant. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que je suis rentrée d'une semaine d'hospitalisation où j'étais restée à attendre le professeur qui devait venir me voir. Et en fait, le jour où il est arrivé, mon VSL m'attendait et j'avais des questions à lui poser. J'étais vraiment très, très mal. On m'avait mis sous morphinique toute la semaine. Et donc j'étais avec ma liste de questions parce que j'étais maman d'une petite fille de 5 ans et demi, je venais d'accoucher d'un bébé et donc de ma deuxième fille. Et quand le professeur est arrivé avec une douzaine d'étudiants dans ma chambre, j'ai commencé à lui poser des questions sur mon avenir et sur comment j'allais faire. Et il s'adressait pas vraiment à moi en fait. Il s'adressait aux étudiants en disant que j'étais une personne qui était résistante à tous les traitements. Et puis finalement, globalement, qu'il savait pas trop quoi faire pour moi. Voilà. Et quand je lui ai dit, mais j'ai des questions sur mon avenir, il m'a dit, j'ai d'autres patients à voir. Et puis il est parti. Et donc moi, je suis rentrée avec l'ordonnance du fauteuil roulant et avec tout ça. Et j'ai réfléchi pendant la nuit. J'ai pas dormi. Mon mari m'avait dit, j'irai chercher le fauteuil roulant demain. Parce que j'étais vraiment grabataire. J'avais même du mal à monter les escaliers alors que la chambre était à l'étage. Donc c'était compliqué tellement je souffrais. Mon corps était incandescent de douleur. Et Et c'est là quand que il s'est réveillé le matin, vous vous êtes oui. dit, puisque la médecine ne peut rien pour moi, ou ne peut pas grand-chose pour moi, sinon des solutions palliatives, je vais me prendre en main. Et c'est là où vous avez une formule qui est assez superbe, je trouve, et en tant que médecin, je le dis, c'est que le médecin soigne, mais c'est le patient qui se guérit. Oui, exactement. Je me suis dit, puisqu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour me guérir, la seule personne qui peut me guérir, alors qui est-ce? Et là, quand je me suis posé cette question, j'ai dit, bah, c'est toi, en fait. Il faut que tu réfléchisses comment tu peux faire, mais il faut que tu guérisses. Parce que, en fait, je me connais, me suis dit, si jamais je mets les fesses dans un fauteuil roulant, je suis fichue. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas à me relever. Alors, je me suis dit, c'est le passage ultime. Et à ce moment-là, dans la nuit, c'est vraiment passé quelque chose d'incroyable en moi. J'ai pris la décision de guérir. J'ai dit à mon mari, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas pour combien de temps j'en ai, mais je te promets, à partir d'aujourd'hui, pour moi, je suis guérie. J'ai pris la décision de guérir. Voilà. Et j'ai même convoqué ma famille et mes amis, et je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui, voyez-moi guérie. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour moi. Mais de me voir mal, fichu, parce que je le voyais dans le regard des gens qui m'entourent et qui m'aiment, et ils se disaient, mais elle est fichue, elle n'y arrivera plus, quoi. Oh, elle est dans un tel état, c'est plus possible. Et là, à partir du moment où je leur ai dit, voyez-moi guérie, oh, c'était comme une chape de plomb qu'on me retirait du dessus de la tête. Et j'ai tout mis en œuvre et dans ma tête aussi, s'est mis un processus pour chercher tout ce qui était possible et tout ce que j'allais pouvoir découvrir pour